Pour moi qui pas qu'on aime, moi les têtes, tête beaubrun, moi sorti Haïti, moi c'est petite lolo, manger beaucoup mon expérience. Alors, histoire ça, c'est histoire de comment moi commencer la musique. Alors, c'était en 1986, j'ai 6 ans à peu près. Dans la période ça, je joue ça la première fois par m'ta pas le même dans la cour souvenance qui dans Gonaïves. La cour souvenance sont la cour côté que qui voilà, sont la cour historique côté que il y a des cérémonie vaudou qui a passé, et puis je joue ça, tu as une cérémonie vaudou qui a passé. Et je me rappelle, je suis venu à la cour, et comme je te l'ai dit, en pile, mon habillé en blanc, tu as un temple péristyle, mon habillé en blanc, ça a chanté, ça a dansé, ça qui prend loi. Mais ça qui est vraiment plus impressionné, je vois, en fait, c'était son tambour. Je ne connais pas. Comme si les maps écoutaient son tambour, je me dis, quel son ça a impressionné. Mais surtout, non seulement sont impressionnés, mais ce qui est plus impressionnant encore, c'était le monde qui a joué tête tambour. C'est-à-dire, maman, parce que dans la culture, nous avons toujours trois tambours. Il y a maman tambour, ou bien second, ou bien kata. Mais il y a le monde qui a joué tambour principal là. C'est un grand monde qui a joué. Il était quand même peut-être 70 ans, peut-être même plus. Mais chaque frappe, monsieur frappé, coup de baguette, c'est comme si on se sentait à vibrer. On dit tout ça, c'est tout le temps dont vibrer. Je me dis, ça t'est vraiment impressionné. Je me dis, comment on fait, monsieur Gain? Je me change ça comme si jusqu'à maintenant, ma panne, ça me change ça. Je me dis, comment on fait, monsieur, frapper tambour comme ça, pourtant, je me parle comme si ça t'est impressionné. Mais plus, monsieur, t'as devant tambour, comme si, m'a coûté, c'est plus comme si, comme, c'est comme si pattern, c'est comme si rituel, c'est comme si je me déjà connais déjà, comme si je me déjà coûté déjà. Et pourtant, c'est la première fois que je suis allé à la course. Non, c'est la première fois que je suis allé à Ritsa. Je ne sais pas même comment Ritsa était. Mais en dame, faire comme si je suis déjà connu. Je me suis songé juste soir. Je vais le coucher et je me dis, papi, on connaît que Ritsa, on a joué. Je ne connais pas. Je me dis, ah, Ted. On connaît que Gampil pile percussionniste qui n'a pas passé en pile de temps, comme si avant de maîtriser Ritsa. Comment il faut travailler pour maîtriser. Je me dis, papi, on a fait, on a fait. Ok. Et jour a passé, nous retournons à Port-au-Prince. Et je me souviens, toute semaine, non, pendant que nous retournons à Port-au-Prince, même dans la classe, comme si Richard a passé dans la tête. Richard a passé dans la tête. Et je me souviens, je joue ça, je saute l'école. Et là, parce que comme je dis, nous, année 86, année 86, dans toute l'année 80, au bout de pourquoi je suis célèbre. Au bout de célèbre, dans l'année 91, 92, mais 86, ouais, toute l'année 80, au bout de pourquoi je suis célèbre. Mais c'est la cala qu'on répétait, c'est répétition, qu'on fait la cala, tu avais dit, tu as un instrument. Et du coup, je changeais, je prends le tambour et je commence à jouer. Vraiment, naturellement, je commence à jouer. Tout le monde devinait qui s'est passé. Devinez qui s'est passé. C'est une cadine. Eh bien, demain, on connaît ça qui passe. Pas hésiter à partager l'histoire, parce que l'histoire, ça...